Bonjour. Cela fait à peu près un an que j'ai eu l'idée de mettre tous mes champs de compétences sous format de vidéo et la méthode est simple et pratique. Il s'agit d'aller chercher dans mes anciennes notes de cours le contenu de la présentation. Et en tant qu'informaticien, je débute avec l'informatique. Qu'est-ce que l'informatique? L'informatique est la science du traitement automatique de l'information. Quel est le rôle de l'informaticien? Résoudre des problèmes de manière automatique en utilisant un ordinateur. Quelle est la définition d'un ordinateur? Initialement, un ordinateur était un calculateur numérique. C'est aujourd'hui une machine de traitement de l'information. Il est capable d'acquérir et de stocker des informations, d'effectuer des traitements et de restituer des informations. Dans quel domaine voit-on l'application de l'informatique? De nos jours, l'informatique est partout. Dans la vie quotidienne, Internet, téléphonie, dans la médecine, dans le commerce, les logiciels de point de vente, le stockage, etc. Dans les jeux vidéo, intelligence artificielle, dans les banques, distributeurs automatiques, dans les industries automates programmables, robots. Quels sont les éléments de base d'un ordinateur? Un ordinateur est composé essentiellement de deux parties essentielles. Partie matérielle, hardware, correspond à l'aspect concret du système, et la partie logicielle, software, c'est l'ensemble des programmes qui permettent de gérer la partie du matériel. Quels sont les éléments de base d'un ordinateur? L'unité centrale, l'écran, le clavier, la souris font partie d'éléments de base d'un ordinateur. Quels sont les éléments secondaire d'un ordinateur de bureau périphérique? Ce sont les appareils électroniques externes connectés à l'ordinateur. Imprimante et scanner, haut-parleur. Imprimante, scanner, haut-parleur. L'imprimante, c'est un appareil qui permet d'avoir les informations stockées sur l'ordinateur imprimé sur papier. On peut distinguer plusieurs types. Les plus courantes sont les imprimantes matricielles, les imprimantes AGB, les imprimantes laser et les imprimantes multifonctions. Scanner. Le scanner permet de transformer les documents, photos, textes en données numériques afin de les avoir dans son ordinateur. Il s'avère très utile pour traiter des images ou bien introduire du texte sans avoir à faire la frappe. Les haut-parleurs, connectés à l'ordinateur par l'intermédiaire de la carte son, elles permettent de ressortir la musique et le son produit par l'ordinateur. Le microphone a pour rôle d'enregistrer et d'entrer des sons à l'ordinateur. Les traceurs. Les traceurs servent à reproduire des plans sur un papier qui peut avoir une grande taille et ceci à l'aide de plusieurs différentes couleurs. Les appareils de photo et caméscope numérique, lorsqu'on les connecte à un ordinateur, ils se comportent comme des mémoires externes et peuvent visionner les photos et vidéos qu'ils contiennent. Les mémoires externes, ce sont des mémoires amovibles qui permettent le stockage des informations d'une façon permanente, telles que les clés USB, les disques durs externes et la carte mémoire. Modem. Un modem, modulateur-démodulateur, permet à un ordinateur de se connecter à Internet via une ligne téléphonique. Type de périphérie. Il y a les périphéries d'entrée, il y a les périphéries de sortie, il y a les périphéries d'entrée-sortie.
Pour les périphéries d'entrée, on distingue le clavier, la souris, le scanner, le microphone. Périphérie de sortie, l'écran, l'imprimante, l'haut-parleur, les traceurs. Périphérie entrée-sortie, les appareils photo, caméscope numérique, les mémoires externes, les modems. Composante principale de l'unité centrale. L'unité centrale est constituée principalement de la carte mère, du processeur, des mémoires, mémoire principale, mémoire vive RAM, mémoire morte ROM, mémoire secondaire, de la carte graphique, de la carte de son et d'alimentation. Qu'est-ce que la carte mère? La carte mère est le cœur de tout ordinateur. La carte mère est un circuit imprimé servant à connecter tous les composants d'un micro-ordinateur. Elle permet aux différentes parties d'un micro-ordinateur de communiquer entre elles, processeur, mémoire, port du clavier, port série et parallèle, les quatre extensions. Le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. Il se charge du traitement des informations et de l'exécution des instructions afin de fournir le résultat attendu. Il est caractérisé par sa fréquence exprimée en Hertz, Hz. 1 kHz égale à 10 puissance 3 Hz. 1 MHz égale à 10 puissance 6 Hz. 1 GHz égale à 10 puissance 9 Hz. Les mémoires. C'est quoi les mémoires? Les mémoires permettent de stocker de l'information de manière temporaire ou durable. Un ordinateur utilise principalement la mémoire principale RAM. C'est l'espace de travail du processeur. La mémoire vive stocke temporairement des données à traiter, ce qui évite d'accéder au disque dur qui est plus lent. La mémoire vive est volatile, ce qui signifie qu'elle est vidée à chaque coupure du courant électrique. La mémoire morte, ROM, Read Only Memory, RAM, Random Access Memory, ROM, Read Only Memory, est une mémoire non volatile, c'est-à-dire elle ne s'efface lorsqu'elle n'est plus alimentée en électricité et dont le contenu est défini lors de la fabrication. Les mémoires secondaires, elles permettent de stocker de l'information de manière permanente, c'est-à-dire que les données ne sont pas effacées lorsqu'une coupure de l'électricité. Composante principale de l'unité principale, alimentation, carte de son, carte graphique, carte réseau. La carte réseau, c'est une carte d'extension qui permet de connecter l'ordinateur à un réseau local. Les lecteurs graveurs, DVD, c'est un lecteur qui permet de lire les données à partir d'un CD ou bien d'un DVD. Dans sa fonction de graveur, en plus de la lecture, il permet le stockage des données sur un CD ou DVD. La face avant de l'ordinateur, on a un ou plusieurs lecteurs optiques, lecteurs de CD-DVD, graveur CD-DVD, lecteur ou graveur Blu-ray. Un lecteur de carte mémoire qui souvent prend la place du lecteur disquette dans la voie de disparition. Le bouton marche-arrêt, le bouton reset ou démarrage, des ports USB, des prises audio, casque audio et microphone. Donc, tous ces chiffres sont des éléments de base de l'ordinateur. Les éléments de base de l'ordinateur, la face arrière, le panneau arrière, en arrière de l'ordinateur, qu'est-ce qu'on trouve en arrière? En arrière, on trouve les ports série. Ancien port sert à connecter différentes périphériques à l'ordinateur. Le port parallèle, c'est aussi un ancien port qui est utilisé généralement pour connecter l'imprimante.
prise moniteur pour brancher l'écran. Connecteur USB servant à connecter différents périphériques tels que les clés USB, appareils photo numériques. Les connecteurs réseau RJ45 permettent de relier l'ordinateur à un réseau. Les prises audio, prises de sortie audio vert où l'on branche des haut-parleurs ou bien des casques audio. Prise micro Rose, couleur rose, pour connecter un microphone afin d'enregistrer des sons. Prise de ligne in and out sert à relier différents outils musicaux. Prise d'alimentation, panneau d'alimentation de l'ordinateur en électricité. Support de stockage. Quelle est la définition du support de stockage? Les supports de stockage, mémoire de masse ou mémoire auxiliaire, permettent de stocker l'information d'une façon permanente. L'unité de mesure en informatique. L'unité de mesure en informatique est le bit binary digit. Un bit ne peut avoir que deux valeurs, 0 ou 1. Toute l'information par un ordinateur est une suite de bits de 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Un octet bit est un groupe de 8 bits. Un octet byte est un groupe de 8 bits. Un kilo-octet est égal à 2 puissance 10 octets, est égal à 1024 octets. Un méga-octet est égal à 1024 kilo-octets. Un giga-octet est égal à 1024 méga-octets. Un tera-octet est égal à 1024 giga-octets. Un péta-octet est égal à 1024 tera-octets. Supports de stockage. Quels sont les supports de stockage les plus connus? La disquette et le disque dur. Disquette 3 pouces 1 quart, floppy 10, 1,44 mégaoctets de capacité, support magnétique. Le CD-ROM. Le CD-ROM Compact 10 est un disque utilisé pour stocker des données sous forme numérique. On distingue CD-ROM, read-only memory, CDR, support qui peut être enregistré une seule fois. CDRW, support sur lequel on peut lire et écrire de nombreuses fois. Le DVD Room, DVD qui remplace de jour en jour le CD-ROM. On distingue le DVD-R et le DVD-RW. Le Blu-ray 10 est un format de stockage de données de 10 optiques numériques destiné à remplacer le format DVD. La clé USB est plus connue, grosse comme une clé de voiture, elle possède toutes les qualités de la disquette sans les inconvénients. Peut dépasser jusqu'à 256 Go, se brancher sur un port USB de l'ordinateur. Le disque dur, hard disk drive, disque dans l'ordinateur permettant le stockage des données. C'est un support de grande capacité qui supporte à la fois le système d'exploitation Windows et les programmes OpenOffice, Internet Explorer, ainsi que les données texte, images, vidéos, son, peut dépasser 2 teraoctets. Le SSD est un support permettant de stocker des données. Par rapport à un disque classique, il se présente sous la forme d'un boîtier au format réduit, environ 7 par 10 cm, avec une épaisseur d'un demi centimètre. Merci, mesdames et messieurs. Mesdames.
Mesdames et messieurs, nous allons arrêter là pour cette partie du cours qui était sur l'initiation de l'informatique.